Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'être élu meilleur joueur dans n'importe quelle partie en ligne avec les roues Lamarama sur Rocket League. Alors pour ce défi, j'ai une big astuce à vous donner, mais avant ça, il faut que je vous explique que pour réaliser ce défi, il vous faudra les roues Lama. Alors pour avoir les roues Lama, il faut réaliser le précédent défi. Et quand vous avez réussi le précédent défi, ben vous allez dans les défis Lamarama et vous récupérez votre récompense qui sont les roues Lama. Quand vous les avez récupérées, vous allez dans votre garage et vous allez customiser votre voiture. Donc vous vous dirigez dans les roues et vous vous équipez des roues Lama. Quand ceci est fait, vous lancez une partie et vous essayez d'être le meilleur joueur. Alors pour être le meilleur joueur, il faut tout simplement faire le plus de points. Alors là est mon astuce. Moi ce que je vous conseille, c'est d'inviter deux de vos potes. Vous réussissez à gagner la partie et dès que vous avez réussi la partie, vous demandez à vos deux potes de quitter la partie juste avant que ce soit la fin. Donc même si c'est une prolongation et que votre pote met le dernier but, il fait option, flèche du haut, XXXXX pour quitter. Et pareil pour votre deuxième pote, sauf si bien sûr votre deuxième pote n'a pas autant de points que vous. Le but, c'est que vous, vous soyez le premier en points et que vous arrivez dans le podium, en plein milieu du podium. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Audrey et à Swapper de venir. Audrey, elle débutait, elle faisait les défis avec nous. Mais Swapper, c'est un très très bon joueur. Et là, en prolongation, il met carrément le dernier but. On n'était pas à beaucoup de points de différence, mais il était quand même au-dessus de moi, surtout avec le dernier but qu'il allait mettre. Et bien, juste quand il a marqué le but, il a fait option, quitter la partie. Et là, boum, je suis passé meilleur joueur et j'ai débloqué le défi. Ce qui m'a permis de débloquer le bus de combat dans Rocket League. Donc voilà qui termine cette vidéo. Je vous ai présenté tous les défis de Rocket League. J'espère que ces vidéos vous auront été utiles. J'espère que celle-ci aussi vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.